Salut, bonsoir, bienvenue à toi dans cette petite vidéo YouTube, dans cette humble vidéo YouTube. J'espère que tu vas bien, j'espère qu'en ce moment ta famille se porte bien, j'espère que tes proches se portent bien. C'est une période un peu compliquée qu'on vit. Ça fait longtemps que j'ai plus parlé sur cette chaîne YouTube, alors évidemment, je vais quand même saisir cette occasion pour vous parler de ce qui se passe en ce moment dans le monde, un tout petit peu, hein, je vais pas vous saouler avec ça parce qu'il y a une grosse annonce qui va suivre dans la vidéo. Mais voilà, bref aparté là-dessus. Comme j'ai dit sur un de mes précédents posts Instagram, il faut pas voir cette privation qu'on a actuelle de liberté physique, il faut pas la voir comme une privation totale de liberté et la vivre mal. De toute façon, on n'a pas le choix, donc autant la vivre bien. Et voir ça, peut-être, éventuellement, comme une sorte d'occasion de découvrir une autre liberté, peut-être. Celle de l'âme, celle de la création, celle de l'exploration de nouvelles aptitudes, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre, il y a tellement de domaines d'apprentissage sur lesquels on peut se pencher, sur lesquels on peut travailler, donc je pense que ce serait peut-être une chouette idée d'en profiter. De profiter de ce confinement, de profiter de ce manque de choix qu'on a là actuellement pour s'améliorer dans différents domaines et faire ce qu'on avait envie de faire. Peut-être que tu as un projet que tu voulais faire ou que tu voulais, sur lequel tu voulais travailler depuis un petit moment. Eh bien là, actuellement, c'est l'occasion. Donc je t'encourage de tout mon cœur à te lancer dessus. Voilà, petite parenthèse terminée. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais plus eu à rassembler tout ce matériel, que j'avais plus eu à mettre ce micro, cette ring light et cet appareil photo pour me filmer. En fait, voilà, j'aimerais vous proposer un concours sur mon compte Instagram. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est pas quelque chose qui est en partenariat avec quoi que ce soit. C'est simplement un concours entre créatifs, entre gens qui aiment dessiner, etc. Je me suis dit que ça serait l'occasion, peut-être un petit peu, de mettre en avant vos aptitudes, de mettre en avant ce que vous savez faire, votre créativité et votre style artistique. Sur la chaîne YouTube, j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de redessiner vos dessins dans différentes vidéos que j'ai pu réaliser. Et aujourd'hui, on va un petit peu perturber cette habitude, hein. On va aller un petit peu prendre ça, mais à l'opposé. C'est-à-dire, ce concours portera sur mon tout dernier dessin. À l'heure actuelle, bien entendu, si tu vois cette vidéo un peu plus tard et qu'il y a d'autres dessins qui ont popé, ne t'inquiète pas, il s'agit de celui-ci. Donc tu pourras le retrouver sur mon compte Instagram. Le concours, tu l'auras compris, consistera à ce que tu dessines mon dessin, mon dernier dessin, à ta façon, à ton style, que tu me fasses une interprétation de ce dessin, comme j'ai pu le faire dans différentes vidéos, et que tu l'adaptes à ta sauce. Que tu t'éclates dessus, que tu t'amuses dessus, parce que déjà c'est le premier objectif de ce concours, c'est que justement on puisse se fédérer tous ensemble sur un même projet. Je pense que c'est pas du temps qu'on manque actuellement. Donc voilà, j'ai passé quelques heures à dessiner ce dessin. T'as dû le remarquer sur mon compte Instagram, étant donné que j'étais moins actif sur YouTube ces derniers temps, j'ai pu justement plus plancher sur le dessin et j'ai exploré de nouvelles façons de dessiner, j'ai exploré un nouveau style. Disons que j'ai peut-être un peu perfectionné mon style ou en tout cas été un peu plus loin que ce que je faisais auparavant, hein. Et tu remarqueras que ce dessin-là, c'est plutôt un retour aux sources, c'est plutôt un retour vers le dessin en noir et blanc, vers le trait simple. Alors, ça m'intéresserait de voir ce que vous pouvez faire avec ça, voir jusqu'où vous irez, peut-être qu'il y aura de la couleur dans vos dessins, parce que moi je travaille jamais avec de la couleur, mais je sais que beaucoup d'artistes qui me suivent sont passionnés de ça et savent très bien utiliser la couleur dans différents visuels et dans différentes illustrations. Alors je t'invite, toi, à adapter ce que tu vois là à ta façon. Je présenterai quelques dessins qui m'auront particulièrement plu dans une prochaine vidéo, avec comme finalité dans cette vidéo-là, bah, le dessin qui m'aura le plus plu, donc le gagnant de ce concours entre guillemets. Ça sera l'occasion peut-être, j'espère, de faire découvrir à d'autres personnes, certains artistes, d'inviter ces gens à aller voir ce qu'ils font, tout simplement. Il y a des règles à ce concours, elles sont très simples, elles sont peut-être même un peu logiques. Bon, c'est la première fois que je fais ça, alors tu m'excuses si j'ai pas l'habitude. Mais étant donné que c'est un concours qui vise à mettre en avant ce que mes abonnés savent faire, il faut évidemment être abonné à mon compte Instagram. Je crois que c'est la toute première chose à faire. Ensuite, il faut avoir liké mon dernier dessin. Et la troisième et dernière règle, c'est que lorsque vous dessinez ce dessin, lorsque vous l'avez interprété, vous avez passé tout votre temps dessus, que vous êtes bien amusé là-dessus, et que vous le postez sur Instagram, c'est que vous m'identifiez dessus, pour que je puisse le voir. Sinon, je ne pourrais pas arriver jusqu'à ce dessin. Voilà, c'est les trois règles. Je pense que c'est quand même une bonne occasion de s'amuser tous ensemble, et puis de découvrir d'autres artistes. Et pour moi, ça sera l'occasion de voir mes dessins, mes œuvres, interprétés par d'autres personnes. Genre, c'est pas très souvent que ça arrive. Bon, évidemment, ça arrive de temps en temps. Certains redessinent déjà ce que je fais et m'identifient dessus pour que je puisse le voir, etc. Enfin, voilà. Les règles du concours sont très simples, je vous les ai énoncées. Il vous reste une chose à faire, c'est à vous éclater là-dessus, parce que c'est le tout premier but. Petit disclaimer quand même. Lorsque je réaliserai cette vidéo et que je présenterai les quelques œuvres qui auront été retenues et la grande œuvre gagnante, entre guillemets, j'espère
de tout cœur que vous prendrez pas mal si vous n'avez pas été sélectionné ou que vous n'apparaissez pas dans la vidéo, mais simplement, le but premier de ce concours, c'est d'abord de tous s'éclater tous ensemble autour de quelque chose, autour de la création, autour de l'art simplement, de pouvoir se réunir autour d'une passion. Donc j'espère que vous serez assez mature que pour pouvoir comprendre qu'on ne gagne pas toujours et qu'on n'est pas toujours sélectionné, mais l'important, comme on le dit, c'est de participer, et moi je rajouterais même que l'important c'est de créer. Trêve de bavardage, ça m'a fait plaisir de vous revoir aujourd'hui dans cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être pour le résultat de ce concours, et d'ici là, portez-vous bien, continuez de rester chez vous, je pense que c'est très important en cette période, et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao.